Bonjour, tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Ok, ça marche. Miss Whitting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. Bonjour Poppy. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Oh, les pipes ! Oula ! Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Gérald de Rive ? Attention à sa langue. Oh, il est pipou ! Grosse patate de forain dans sa gueule. Quoi ? Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Alors ? Oh, et pense à des choses agréables. Brosse pour créature. Ça enrichit l'expérience. Alors, la brosse pour créature permet de prendre soin des créatures magiques. Appuyez sur flèche de droite pour assigner la brosse pour créature à votre ensemble de sorts. Quoi ? D'accord, ok, donc il y a un nouveau sort. Pour brosser les créatures. Très bien. Allons-y. Ok. Ah non, ça me l'a mis là, je voulais pas. Flûte. Attendez. Je voulais le mettre là. Voilà. Ok. Oh, ça brosse tout seul. Nintendo's like. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ok. Ouais, c'est vraiment Animal Crossing, enfin non, Nintendogs quoi. Bon, je vais tout mettre sur le truc. Ah, j'aurais dû l'enlever. Ok. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald? Il les mange? Oh ouais. Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. Ils ont la flemme d'utiliser leurs mains, JPP. Ouais, hein, c'est... Il a l'air gentil. Ils sont vraiment dans l'abus, hein. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Oui ! Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Pourquoi ils peuvent nous niaquer Miss les doigts ? Whitting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos ? Les flaireurs ? Par ici. Les flaireurs se trouvent juste là. D'accord. Oh, les... Le gros chat ! Ah oui, là, c'est pas le... C'est un gros matou, ça. Hein. Ah, les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Ah, encore un serpentard qui a des idées de merde. Ah, ah, quelle sale bête. Ah, il va se faire niquer la gueule. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Et c'est un chat. Elle s'appelle Perséphone. Oh là là. Ça n'a vraiment rien de drôle. Je vais t'en mettre plein la gueule. Oula. Ah. On y va. Putain, c'est marrant. C'est encore un serpentard et un cerf d'aigle. Oh, le petit chat. T'arrives pile au bon moment, Aurore. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Je dois aller brosser, nourrir un flaireur. Viens ici, le petit chat. Viens là, tiens, mange de la pâtée. Nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Allez hop, mange. J'arrive toujours au moment à point nommé. Allez, mange mon petit. C'est de la bonne pâtée. Bon toutou. Et maintenant, je te brosse. Voilà, voilà, bien sous la... Ils savent reconnaître les gens bien. Bien sous le menton, là, ils aiment bien. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. J'ai même pas besoin d'ouvrir l'enclos, moi j'y vais à l'extérieur. Où est notre nouvelle recrue? Qu'est-ce que je fais? Ah, vous voilà. Oui, je suis là, madame. J'aimerais vous parler. Ah. Qu'est-ce que vous voulez me dire, madame? Qu'est-ce que j'ai fait de grave encore? Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait.
Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? J'aurais bien voulu voir des dragons. Et encore des dragons. Donc je suis un peu déçu d'avoir eu des créatures super mignonnes. J'aurais bien kiffé. Mais en vrai, j'ai bien aimé. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Oh. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Ouais, genre le quoi ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Ok. Veuillez attendre mon hibou. En attendant... Je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Ah bah c'est déjà fait, hein. Moi j'ai envie d'avoir un hippogriffe, hein, madame. Hein. Il faut que je te parle. Approche. Ah. Qu'est-ce qu'elle veut me raconter ? Qu'est-ce que tu me racontes, Poppy Sweeting ? C'est une pouf-souffle, faut que je l'écoute. Tu as besoin de moi, Poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Regardez le PNJ derrière. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Heureusement que c'est pas un garçon qui me dit cette phrase, hein. J'aimerais te présenter quelqu'un, mais il faut qu'on aille dans la forêt. Ça serait un petit peu bizarre. Alors là, j'ai deux propositions. Je devrais m'inquiéter, ça a l'air intéressant. En vrai, vu comment j'ai réagi, pas des araignées. Bah justement, on va poser la question. Je ne sais pas trop. De quoi s'agit-il ? Tu verras. Tu n'as rien à craindre, je te le promets. Ouais, bah justement, hein. Regarde. Ça va ? Vous allez bien ? Les créatures heureuses sont souvent généreuses. Vraiment ? Oh, bien, c'est la voix de numéro 5 d'Umbrella Academy. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Écoute-moi bien, Luther. Je dis ça parce que j'ai regardé les trois saisons récemment, donc ça me parle. Bah écoutez, c'est un peu bizarre, hein. Faut qu'on aille dans la forêt, faut que je te montre un truc. Excusez-moi, il y a un garçon, moi je suis une fille, il y a un garçon qui me dit ça. Bon, je suis pas serein. Un temps superbe. Hop là. Poppy, où est-ce que tu... Oh là, ça sent la... Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Quoi, c'est si gros que ça ? Déjà une baguette de 300 cm, je trouve ça déjà imposant. Hein. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Ok. Oh, je suis jamais allé ici en plus. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Reste là. Céleste, elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Allez, plus bas ! Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Ah, c'est tout ? Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Oh, incroyable. Vas-y, mange. Je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Ok. Attends, mais c'est énorme !
Effectivement, fallait que je vois tout ça pour que c'est énorme. Vas-y, je te brosse, tiens. Est-ce que t'aimes le brossage? C'est tout ce que je devais faire? Ah oui, d'accord, ok. Et je peux monter dessus ou pas? Voilà, voilà, voilà. Incroyable. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Bah c'était fantastique, comme les animaux. Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Ah. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Ah, encore un pouf-souffle avec le cœur sur la main, directement. Ça me semble louche. Hein. Ça ne veut rien dire ou ça me semble louche. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser. Il est trop bien ce skill, la partouflette. Je veux savoir ce qu'ils préparent. En plus, on est en automne, donc c'est parfait. Les jambes vénères, il y a des têtes de moi partout. Allez, ça serait bien de mener l'enquête. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres. Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Et oui, je n'ai fait que des quêtes secondaires. Je n'ai pas fait de quête principale, donc oui, je ne suis qu'au début. Je n'ai fait que ma première épreuve, mais je suis niveau 34. Comment allez-vous, monsieur? Pas de course de prévu aujourd'hui? Peut-être un petit peu tard. Mais parfait, on a eu l'hippogriffe, hein. Le mec va être level 40. Ben ouais, c'est l'objectif, hein. On veut faire le jeu à 100%. Donc il faut qu'on soit le niveau 40. Oh. Putain, mais c'est pas mal. Attendez, parce que j'ai pas vu ce que ça donne le paysage en automne. Oh la vache, mais je vais... Attendez, j'ai pas un problème de stick, là? Non, c'est bon. C'est vrai que je vais plus vite avec l'amélioration du balai. Oh, c'est joli en automne, hein. Je dis ça, j'ai rien vu. Ah si, il y a quelques arbres qui changent. Ok. Plutôt pas mal, hein. Ah bah oui, on va faire le 100%, alors... Je pense pas que je ferai tout en live, mais j'aurai le platine, ça c'est une certitude. C'est joli par contre là. La zone pouf-souffle là, c'est plutôt sexy. Hein. Par contre c'est vrai que je vais hyper vite maintenant avec le... Ah ouais là ça rigole zéro niveau vitesse. Et ça veut peut-être dire que je peux battre le record? Je ne sais pas. Le platine il te déprime? Moi j'ai déjà fait les plus chiants. Il faut faire un perso par maison. Ouais mais pas à 100%, donc ça va. Et j'ai pas vu ça. Alors attendez, je vais tenter ça. Hop là. Je suis combien? Je suis deuxième. Bon, ça va le faire. Anthony Macmillan, on y va. Allez, trace. Est-ce qu'avec avec le nouveau truc, ça va être mieux ou pas? Je sais pas si c'est la record woman elle, mais... Par contre ma caméra c'est quand tu veux, hein. Ma caméra qui fait des dingueries, hein. Ok. Je me demande qui vivait ici. Allez à la corde, à la corde, à la corde, à la corde, à la corde. Plus vite mon ref, plus vite. Je suis arrivé.
J'adore la musique, j'adore la musique. On s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille. Et ouais, avec une amélioration de balai, ça va plus vite, hein. Ok. Pour l'instant, ça va, je gère. Oh putain, j'ai perdu le fluide, j'ai perdu le fluide. Ça y est. Ok. À moi les épreuves de Quidditch, il n'y en aura jamais, mais à moi. Oh là, j'ai éclaté le record, mon ref. Carapace bleue. Et voilà, 1,27. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ouais, maintenant je peux te dire que je suis le meilleur. Alors, bande de nazes, regardez vos balais tout éclatés que vous avez là. Maintenant, c'est moi, il y a marqué je suis professionnel. Incroyable, j'ai éclaté le record, frère. Je l'ai bouffé le record, bouffé. Bien niqué. Ah, le plaisir. Donc, maintenant, Rebellion. Je peux ouvrir certaines portes. Je peux peut-être ouvrir celle-ci. Tant que je suis à côté. Ce qui est le niveau. Ah. Allô, Mora. Le plaisir. Le mec, il a exploré toute la map, mais il pouvait pas ouvrir les portes. Ok. Quand tu veux, Michel. Ah, voilà. Non, en vrai, ça va. Hein. En vrai, ça va. Par contre, j'ai pas compris. Au début, j'ai mis longtemps. Heureusement qu'il y avait des gens pour m'aider sur le chat. Mais j'ai pas compris comment ça marchait. Je mets en mode histoire polarisation auto. Ah ouais? Oh, quel enfer. Quel tricheur. Les vieux sont. Allez, hop. Quand tu veux, récupère-moi ça. Parfait. Là, ça a ouvert la porte? Ah. Rebellion. Ça a ouvert la porte. Alors oui, là, j'ai toujours un truc qui fait gling. Je crois que c'est en dessous. Allez, ça va, fais pas ta mijaurée. Voilà, j'espère que c'est un niveau 1. Sinon, je suis dans la merde. Oh là là, calme-toi. Allô, Mora. Pourtant, dans les films, c'est pas pareil, hein. Allez. Ah. Parfait. Par contre, comment le cadenas il saute à chaque fois, ça me fume. Hein. Rebellion. Oh la vache. Ben. Univers ça. Alors. Viande saignante. De prime abord, cette vision pourrait inciter à prévenir les autorités. Mais rassurez-vous, la viande saignante est uniquement utilisée pour nourrir les sombrales. Sombre merde. Quoi? D'accord, donc là j'ai ouvert ça que pour avoir une nouvelle page. Très bien. Bon, je pensais qu'on allait avoir accès aux créatures magiques. Bon, en vrai on a une scène stylée, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, le Home d'Urknot. Ah oui, c'est vrai qu'on devait faire ça, Repulso. Parler à Sirona aux trois balais. En vrai, il faudrait qu'on fasse ça. Hein. Se préparer pour la recherche du dernier gardien. En vrai, ça pourrait être pas mal. Hein. Allez. On y va. Allons parler à Cyrano de Bergerac. Comme j'aime bien l'appeler. Qui est directement... à Préolard. Et comme dirait notre personnage, j'ai l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Voilà, il le dit vraiment comme ça. Hein. Je l'ai un petit peu trop entendu à mon goût. Je vous le dis. Et comme ça, moi, de mon côté, je pourrais... bien évidemment, pouvoir faire les petites quêtes secondaires. Qui font bien. Quoique, attendez. Le doute m'habite. Maintenant que j'ai accès au boursouffle, là. Est-ce que je peux en faire quelque chose ou pas? Là, ils sont mignons, regardez. On peut pas interagir avec les créatures non dominicides. Mais je peux rien faire avec elle, grosse connasse. Trop nul. Oh, le détour. Non, non, mais je... En fait, je ne peux rien faire. C'était pas grave, hein. Ah, c'est vrai. Hop là.
Impeccable. Pourquoi stresser? Préolard, me voilà. Alors, ma question c'est comme on a changé... Maintenant que je suis à Préolard. Comme j'ai changé de saison, est-ce que j'ai des nouveaux objets ou pas? Il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Non, pas nouveaux objets, comme j'ai tout acheté en plus. Le plaisir. Hop. Comme ça. Hop, on vend tout. Le Mont Ventoux. Voilà. La thune, la thune. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Oh écoute, t'as plus rien à me proposer, Michel, donc nous on trace, hein. Ah mais c'est vrai qu'attends. Oh là là, la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, je peux pas ouvrir. Oh la dinguerie, je peux pas ouvrir. Oh la dinguerie, je peux pas ouvrir non plus. Le petit chat. C'est-à-dire maintenant je peux déverrouiller plein de trucs? Je dis ça, je peux rien déverrouiller, mais... Oh non. Tant de déception dans mon regard. Ah, je vais aller à l'intérieur, ok. Évidemment, je pensais que j'allais boire un bière en extérieur, il fait beau. Profitons encore avant que l'hiver arrive. Allez, allons voir Sirona. Ah, s'il vous plaît, Sirona, comme d'habitude, hein. Bonjour, ravi de vous voir. Comment allez-vous, madame, depuis notre intervention avec le troll? Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Ah! Est-ce que je peux avoir plus d'informations à propos de ce monsieur, s'il vous plaît? Alors là, j'ai... Est-ce que je peux faire confiance au gobelin? Ou est-ce que je suis ravi de l'entendre? C'est un ami? Bon, je vais dire ravi de l'entendre. Restons quand même gentils. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis? Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Très bien, ceci je note. Dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Parfait, je fais tout ça. Alors par contre, j'ai pas... attendez, ce qu'ils ont dit, sorcier. C'est-à-dire que c'était un monsieur et c'est devenu une madame, c'est ça? Que j'ai bien compris le truc. Parce qu'elle a dit une phrase, ça m'a perturbé. Enfin, que je sois sûr, hein, parce que, bon, attends, faut dire madame, mais dans le doute, hein. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Ouais, un petit Liguardium Leviosa, Expediarmus Avada Kedavra, on y va, Avada Kedavra. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Très bien, mais merci beaucoup, Sirona. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Avec plaisir. Comment ça, je suis de quelle origine dans le jeu pour choisir ce pseudo? Anthony Macmillan? Mais faites attention. C'est un sorcier d'origine anglaise. C'est moi anglais vivant à Poudlard.
Anthony Macmillan, il y a deux M, Antoine MM. Voilà, le plaisir. Hein. Vous avez l'explication du pseudo, monsieur. Rien de plus compliqué. Ou plutôt, rien de plus simple. Je peux ouvrir la porte, là. Oh, Wingardium Leviosa. C'est tout? Bah oui. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ok. Ok. Bah moi j'ai cherché hein. Macmillan, ça sonne bien. Alors bonjour madame. Enfin bonjour monsieur. Ah, est-ce qu'il y a du ray tracing? Ouah, le ray tracing il marche super bien. Pas du tout évidemment. Ok. Non, tu vas me dire que j'ai juste ouvert la porte pour ça? Revelio. Non, il y a que ça là-dedans? Non mais quelle arnaque. C'est tout? Ah ouais, vraiment, vraiment décevant. Hein. Ah ouais, niveau 3. Ah ouais, mais il y en a, ils rigolent zéro au niveau des trucs. Ah oui, oui, c'est potion pipin. On a même voté pour le nom. Donc ouais, fais attention, parce que sinon tout le chat, il te tombe dessus. Hein. Moi qui attendais tellement de temps pour pouvoir voler les maisons de Préola, finalement, il n'y a rien dedans. C'est réciproque, Amit. Quoi, Amit? Ah oui, lui, c'est un cerf d'aigle. Crève! Par contre, fais attention, là, ta baguette, frère. Il y a un problème là. Ah non, t'as une baguette stylée, mon ref. Hop, un petit coup. Avant de rentrer à la tête du sanglier et rencontrer ce gobelin qui risque de nous prendre la tête. Ouais, bonjour, monsieur. Regardez, ça, c'est les viewers quand ils viennent m'insulter sur le chat. Ils sont comme ça, hein. Ils sont un peu vénères. Bon, ben, je peux m'installer là-bas. Ah, mais il y a le gobelin! On s'est déjà vu, oui, à l'attaque du troll, mon cher Lodgok. Lodgok. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non. En fait, je voulais vous parler. De Ranrok. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrok et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Alors là, ah merde, il va falloir négocier là. Sirona me fait confiance et je vous ai peut-être mal jugé. Oh, Sirona me fait confiance. Hein. Ami, l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ennemi. Bon, c'est pareil, vous avez compris le truc. Hein. Ça marche aussi dans l'autre sens avec l'ami. Pas qu'avec l'ennemi. Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon. Si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrok me confie ses plans. Mmh. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Okay. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrok et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Ok, ça m'a tout l'air d'être un piège, ou alors j'irai récupérer cette relique. Moi, rien ne me fait peur, j'irai récupérer cette relique. Très bien, si vous promettez de me faire part des plans de Ranrok, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Ok, ça me va, Michel. Enfin, Lodgok, Lodbot, Black, Brock, Black, Blick, Sirius Black. Ça va plus vite. Bon, trouver l'entrée du tombeau de la sorcière. Oh, mais j'y suis déjà allé, je crois. Enfin. Ah non, pas du tout. Antoine, tu dis de la merde. Pour changer. Hop là. J'ai parfois l'impression que toutes les routes. Mais t'as pris au lard. Oh, il me fait chier avec cette phrase, il l'a dit tout le temps. Merde. On n'est pas dans Assassin's Creed. Change de disque. Pensant que je suis un disque rayé. Hop là. Par contre, la tête de la citrouille, elle a déconné tout à l'heure. Hein. Vraiment, c'est parti en cacahuète. Alors... Putain, vous étiez rapide. Vous vous êtes téléporté, non? Bien. Ne perdons pas plus de temps. Ok, je te follow, mon gars.
T'es vraiment petit, hein. Par contre, t'as des mains, tu nous mets une gifle, on fait trois fois le tour de notre slip sans toucher l'élastique, hein. Le nom de Home Dirtcott. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Ok. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Très bien. Par contre, lui, il me parle pas du tout. Enfin, j'ai pas trouvé de tombeau dans la zone. Peut-être un tombeau exclusivement réservé à la quête principale. Sympa à ce moment-là, hein. Moi j'aime bien. Hein. Mais t'as de voir autre chose. Hein. Oh là là. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Véritablement. Je comprends pas ce que les gens trouvent de beau au jeu. Hein. Pokémon, c'est mieux. Hein. Surtout que maintenant, avec la mise à jour de Pokémon, ils vont nous réduire les personnages visibles. Donc vraiment. Je ne comprends pas. Alors par contre, me fais pas l'épreuve de Merlin, je l'ai déjà fait. Hein. Vous pensez que c'est près de l'arbre? Ou c'est là-bas? Par contre, ça va vous sinon? Oh, on fait une petite balade, hein. Tranquille. Hein. Est-ce qu'il prend de l'avance si je m'arrête? J'allais dire si je peux récupérer 2-3 petites choses en attendant. Faisons-le. Des petites pierres de lune qui nous permettent de créer des éléments sur la salle sur demande. Bon, je dois en avoir pas mal, hein, en vrai. Ça a l'air d'être là-bas, je pense. Hein. Il marche lentement, mais accélère le pas! Que diable! Pensez que je peux le pousser? Ouais, le problème, c'est, imaginez, je fais un sort sur lui. Et que le jeu me fait... Oh, mais vous avez décidé de m'attaquer! Salaud! À ce moment-là, tout est à refaire. Ou alors, ça fait planter le jeu. Et je dois me retaper toute la marche. Ah oui, il y a un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Sauvegarde. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos. Pourquoi Caraba, la sorcière, est-elle méchante? C'est joli ici. Ok. Ah oui, bah forcément, j'ai pas pu faire ce tombeau ou ce machin parce que c'était fermé. Si tu cours, il te suit pas? Peut-être si je cours, mais la flemme. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Oui, pourquoi on a marché alors qu'on aurait pu courir directement ou transplaner si tu savais l'endroit, hein. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurais affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. El fuego, si! Il semblerait que Ranrock et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Mais surtout que le jeu s'adapte à mon niveau, donc c'est des ennemis niveau 33. Mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Le problème, c'est qu'il tape hyper fort à ce niveau-là. On a vu tout à l'heure en two-shot me faire défoncer. Et ce home, qu'est-ce qui le rend si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Oh, on peut pas le garder, il a l'air d'estiler ton casque là, en vrai. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Très bien, merci. Alors, il a l'air à attendre votre retour. Faites attention à vous. Il a l'air d'être gentil, mais je sais pas, je sens l'entourloupe. C'est quand même un gobelin, hein. Allez, grotte de la collectionneuse. Let's gong. On y va, pas le temps de niaiser. Mais effectivement, ça a l'air d'être la merde. Oh là, oh là. Ok.
Oh oh. Les lumières s'allument à mon passage. Acclamez-moi le prince! Le roi des citrouilles! C'est verrouillé. Il est gentil mais pas beau et vicieux. Oh, ça joue sur le physique directement. Des papillons. Étrange. Des papillons! Allez hop. Retourne chez ta mère. Hop là. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc à ouvrir? Réveillio. Moi j'aurais fait un bombarda maxima là. Je peux dire que la porte elle aurait sauté. Oh, la barbe de Merlin. Bonjour. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, j'ai sursauté sa race. Une cape ocre. Ok. Oh oh. Vous pensez que c'était le chemin? Si c'est le chemin, j'y vais pas. Vous connaissez la strat. Ne jamais suivre l'objectif principal. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Eh oui. Voilà, de la thune. Évidemment. Et là, c'est là d'où je viens. Ok, bah c'est le chemin qu'il fallait suivre. Ça va. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Ok. Lumos. Allez, le petit papillon, viens ici. Hop, et de un. Le deuxième. Parfait. Ben voilà, efficacité. Lumos. Légendaire. Hop. Donc là, ça va ouvrir la porte. Évidemment, c'est logique. On récupère tout ça. Le coffre où il n'y a pas de tenue. Moi, je veux que des tenues, que du cosmétique. Ça, j'aime. J'ai l'impression que je suis pas seul ici. Ça, j'aime pas trop ça. Moi, même si c'est pas scripté, je passe à côté. Hein. Bonjour. Tiens, 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 qui voilà-je? Ah, bonjour monsieur, ou madame peut-être. Je ne sais pas, le doute m'habite. Confringo. Confringo. Ben voilà. Pourquoi stresser? Ah quoi, il y en a encore? Confringo. Ah, ils sont que niveau 20. Le plaisir. Confringo. Ils ne sont que niveau 20. Très bien. Trop facile. Confringo. Bon, j'allume ça, je sais pas si ça sert à quelque chose. Vas-y. Confringo. Ça doit bien servir à quelque chose. Non? D'accord, ça ne fait rien. D'accord. Oh, je suis déçu, je pensais avoir fait un truc stylé. Ah, par contre, ça. Ça, je connais, ça casse. Bonjour. Ah, voilà. Des mitaines en acajou. Très bien. Des mitaines en bois. Une particulier comme gant. Tu dois mettre des patates de forain avec ça. Hein. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Lumos. Les viens ici, le papillon. Venez ici, les papillons. Ah, je peux en mettre un par un? Flûte. Le temps de réaction. Bah... Oui, je trouvais... J'étais en train de chercher si je disais pas une connerie sur... C'était bien du bois. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Donc, il faut... D'accord, faut... Réveillio. Il faut l'alimenter. Comment je suis censé alimenter ça? Est-ce que j'ai un accès? Ça y est, Antoine, il est bloqué. Non, parce qu'on est d'accord que le papillon est de l'autre côté, là. Non. Pareil, j'entends le son du papillon. Ah, il est là-bas. De l'alimenter. Leviathan. À l'alimenter. Rébellion. Comment je suis censé alimenter ça? Répulsion. Non, pas du tout. Rébellion. Je pensais que je pouvais tirer ça. Parce que là c'est trop haut, il peut pas monter. Comment je suis censé... J'ai pas une plateforme? Action. Non.
Qu'est-ce que je ne comprends pas? Arresto momentum. Ah, c'est pas ça. Wingardium Leviosa. Attends, mais j'ai rien. Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Oh putain. Ok, merci. Mais merci Michel. Merci, merci, je viens de... Quoi? Je viens de comprendre. Lumos. Bah, fallait me le dire aussi, trou de balle. Pardon, excusez-moi. Ok. Quoi, faut que j'en mette deux? Ah non, et maintenant je peux faire ça. Voilà. Ah. Je peux monter? Oui. Eh, vous avez vu, hein? Initialement, j'avais eu la bonne idée, hein. Mais... Il fallait que je fasse un truc en amont que je n'ai pas fait. C'est pas grave. Voilà. Et là on peut mettre les papillons. Mais sinon la stratégie était bonne. Ah, ça sent le renfermer. Il va falloir ouvrir ta chambre, Mireille. On va encore tomber sur des... sur des insignia. Confringo. Je sais pas, j'ai vu une ouverture, j'ai... Qu'est-ce qui pend? Juste pour... Ça n'a pas l'air de bien tenir. Quoi, qu'est-ce qui pend? Ah, c'est une crotte de nez? Je vais descendre. Et voilà. J'ai pas le choix. Parfait, alors attends avant elle de descendre. De l'autre côté. On a peut-être des choses à fouiller. Voilà. Oh! Rebellion. Objet légendaire doré. Flipendo. Ah. Descendo. Je suis perdu dans mes sorts. Réflexion. Voilà. Donc ici on a un coffre. Leviosa. Petite strat américaine. Et ouais, je suis pas à mon premier donjon. Ok, tout ça pour de la merde. Hop. Donc logiquement. Action. Wingardium Leviosa. Alors maintenant que j'ai trouvé qu'on pouvait faire ça, je trouve ça. Oh merde. Je trouve ça un peu fumax. Leviosa. Oh là, oh là, oh là. J'étais pas prêt, ma Michel. Hop. Parfait. Un petit escalier. Très bien. On récupère. Il faut que j'aille au fin fond de l'enfer. Ouais, ça a l'air d'être verrouillé de toute manière, de toutes parts. Allez, allons en enfer. Et quand tu veux, hein. Oh. Très bien. Petite bouteille. Il fallait plier les genoux, on sait jamais la profondeur, donc histoire de pas se péter les rotules ou les chevilles en arrivant. Faisons attention. Et là c'est verrouillé? Revelio. Et effectivement. Action. Voilà. On a ouvert un accès. Et on peut repasser par là. Puss. Parfait. Petite baignade. Y'a pas un truc derrière moi? Non, avec une grille. Et comme je peux pas aller sous l'eau, pas très utile. Ah tiens, 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 j'aime pas les grandes zones comme ça. Ça sent le boss, non? Non? Ah bah tiens. En parlant du loup. Action. Cette... Hé, hey, calme-toi, fanfreluche. Descendo. Refluxo. Dégage. Confringo. Ah, j'avais pas vu qu'il m'attaquait. Confringo. Ah, y'a du monde, hein. Flipendo. Confringo. Ok. Confringo. Putain, ils sont coriaces les bougres, hein. Action. Flipendo. Ok. Ah, je l'avais pas vu. Arresto momentum. Bon, oh, je voulais tester ce que ça faisait. Ok. Quoi encore? Mais pouvez pas me lâcher la grappe un peu? Ah, je pouvais. J'étais en plein saut, je pouvais rien faire. Confringo. Et ben alors, on est nul. Parfait. Ok. Bon, maintenant il faut que je récupère les papillons. Qui sont je ne sais pas où. Il y en a un ici.
Lumos. Donc facilement accessible. Qu'on va mettre là. Et je pense que c'est ça qui va se lever. J'imagine. Et c'est la bonne pioche. Ok. Donc là il faudra 3 papillons. Il n'y avait pas un autre... peut-être que je peux sauter de l'autre côté. Gnie, gnie. T'as pas fait d'effort, Michel. Ça me semble encore plus complexe. Non. Là, on a un papillon. Lumos. Ok. La DSA, je suis sûr de ce que je fais. C'est faux. Rebellion. Allez, Lumos. Prends-moi ça. Réparons. Mais non, il est trop con. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Alors attendez. Parce que quand je maintiens R2 et que je fais croix pour sauter, ça me fait réparo. Pas très utile. Finalement, j'ai bien fait de venir ici. Oh oh, oh, uniforme scolaire à motif écossais, évidemment. Donc, ici aussi, échappe à Tartan. Oh la vache, j'allais faire une dinguerie. Lumos. Ok. Nice. J'en ai mis 2. Mais comment je suis censé attirer celui-ci? Ça va être tendu, hein. Comment je suis censé attirer celui-ci? Lumos. Faire tourner ceci pour faire monter la plateforme. Oui. C'est sûrement la clé. Oui, mais je voulais attirer le... Lumos. Je voulais attirer le papillon. C'est-à-dire qu'il faut encore que j'en utilise un. Ben non, parce que pour monter, j'ai besoin de la plateforme. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse ça d'une traite. Revelio. Alors, moi, je veux bien utiliser Arresto Momentum, mais c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ah mais non, parce que j'ai besoin du truc, hein. Tu peux pas bloquer la plateforme. Bah, c'est ce que je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, est-ce que si je fais un Arresto Momentum, je peux... Arresto Momentum. Ça, ça marche pas. Arresto Momentum. Parce que ça, ça reste en hauteur. Là-bas, ça, ça se lève. Il y a un truc que j'ai dû louper, ou que j'ai pas compris. Parce qu'en fait, quand j'attire le papillon... Lumos. Si je saute ou je fais... Enfin, si je monte, ça ne marche pas. Là, comme il a pris ça, il va se remettre ici. Je peux pas l'attirer qu'en faisant ça. Jusqu'à la porte. Oui, je sais que je dois amener le papillon jusqu'à la porte, Michel. Répulsion. Je vais passer par là. Peut-être que je vais trouver une solution. Est-ce que là, on a ça, mais... Parce que, en fait, ici, c'est mon seul moyen... Ici, c'est le seul moyen que j'ai pour atteindre le haut.
s'il n'y a pas quelque chose là-bas que j'ai loupé. Non, c'était juste un coffre, je pense. Je peux faire monter que ça. Levioso. Descendo. Arresto momentum. Alors si je peux bloquer. Donc si je peux bloquer, mais tout à l'heure ça n'a pas marché. Très bien. Le jeu se fout de ma gueule. Arresto momentum. Lumos. Reparo. Ah, chaque fois je fais la dinguerie. Bon, la strat, ça va être ça. Le problème, c'est qu'il faut pas que je me chie dans les touches, évidemment. Arresto momentum. Lumos. Le problème, c'est que c'est ça, je peux pas. Là, le papillon est trop loin. En fait, le papillon me suit pas. Non, mais c'est pas possible. Que je peux pas, il faut que je le fasse d'une traite. Si j'escalade, je perds le truc. Peut-être utiliser ça, ça lève. Peut-être faire comme tout à l'heure. J'ai rien pour la tirer. Arresto momentum. Oui, parce que ça reste là-dessus, mais c'est tout quoi. Alors attends, parce que là j'ai les deux. Parce que là, si j'en prends un, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec un papillon? Pouah, tarasse. Putain, c'est pas possible. Allez hop. Allez, c'était impossible en fait, c'était impossible. Fallait juste ouvrir ses yeux, bordel de nouilles. La sépulture de la sorcière. Très bien. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Alors, est-ce qu'il faut que j'allume tous les feux? Confringo. Incendio. Non, ça ne s'allume pas. Un serpent cendre mort. Un serpent cendre mort. Les collègues ont dû partir avec le home. Dommage. Lodgok ne va pas être content. Par contre, il est mort de quoi? Ça, c'est la question. Je dois montrer ça à Lodgok. Oh, une chevalière. Ah. Et là, je sors, il y a un monstre. Rebellio. Je sais pas, ça brille. Oh putain, la vache. J'avais passé à côté de ça, vous vous rendez compte? Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Ah bah voilà. Élémentaire, mon cher Watson. Bien joué, Anthony Macmillan. Non sans peine, mais on est arrivé. Tain, sur un papillon, vous vous rendez compte comment on a galéré sur un papillon. Abusé. Bon, on a une mauvaise nouvelle. Le casque, il était plus, mais on a récupéré une bague. Est-ce que tu veux m'épouser? Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. Ouais, c'est vrai que ça se voit avec le petit crâne dégarni, je comprends. Très bien, j'y vais tout seul. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Très bien. Dire que ces fichus voleurs ont fait. Alors, reprendre le home au voleur. Wouh! Let's go! Le balai hyper vitesse! Le balai aux étoiles! Pendant qu'on passe
au milieu des arbres roses. Et alors, voilà, les serpents cendres. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle Henri. Tu vas devoir être... Oh la vache, il y a un troll. C'est toi qui... Bonjour monsieur. Ah, dommage, j'ai appuyé beaucoup trop tard sur la touche. Ok, nice. Hop. Bam, 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 bam. Ayona Morgan était une stupéfice. Oh la vache, mais à chaque fois je me fais niquer par ça. On va pas tarder, Aurore, on va pas tarder. Attendez, j'ai envie de t'éteindre. Protego. Bam. Expelliarmus. Expelliarmus, c'est à moi. Hop. Levioso. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ah, salaud. Ça finira mal pour toi. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Vas-y, attaquez. Regarde, voilà, c'est ça que je voulais faire. Expulso. Oh la vache. Tu ne peux pas tout. Parfait. Bon, on a réussi. Personne n'a vu ça. Donc oui, si je les désarme au moment où ils font leur incantation, ça renvoie leur sort contre eux. Oh, croix de nez de troll. Par contre, j'avais pas fait gaffe, j'avais tué le troll. Beaucoup trop fort en fait. Et donc, à mon avis, peut-être. Est-ce qu'on a quelque chose à l'intérieur? Rien du tout. Où est-ce qu'il est ce casque? Petit casque. Est-ce qu'il est ici? Voilà. Parfait. Le home. Oh là! Ça, c'est pour Rockwood! Ouais, qu'est-ce qui se passe, Zoro? Qu'est-ce qui Tu vas payer pour ce que tu as fait. Quoi, y'a un mec à côté de moi? Ok. Voilà, le plaisir. Eh ben, vous êtes nuls. J'ai réussi. J'ai vaincu un serpent sang. Bah, en même temps, on est pas à nos premiers, mon cher Anthony. Parfait. Eh bien, rapportons le casque. D'ailleurs, je crois que le casque... Le casque, je l'ai déjà, si je me trompe pas. Attendez. Enfin, en termes du visuel, je crois que je l'ai. Casque fabriqué par les gobelins. Regardez ça. En fait, c'est ce casque-là dont il parlait, mais je l'ai eu dans une mission. L'avantage de faire trop de choses d'un coup. Ou pas. Il a l'air de faire ça. Bonjour! Ça ne va pas m'arrêter. Je suis là. J'ai rapporté le casque. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo. Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Est-ce qu'il n'y a pas nous le voler? Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Parfait. On dirait un simple home. En vrai, il y a des pierres précieuses, on va dire qu'il est stylé. Mais juste pour le brosser dans le sens du poil. Tout simplement pour ça. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Oh, oh, il entend, c'est beaucoup trop, Michel. J'ai bien fait de vous faire confiance.